Fable de La Fontaine, le renard et la cigogne. Compère le renard se mit un jour en frais et retint à dîner Commère la cigogne. Leur égal fut petit et sans beaucoup d'apprêt, le galant pour toute besogne avait un brouet clair, il vivait chichement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. La cigogne au long bec n'en put attraper miette, et le drôle eut lapé le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prit. « Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, je ne fais point cérémonie. » À l'heure dite, il courut au logis de la cigogne son hôtesse, loua très fort la politesse, trouva le dîner cuit à point. Bon appétit surtout, renard n'en manque point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande mise en menus morceaux et qu'il croyait friande. On servit pour l'embarrasser en un vase à long col et d'étroite embouchure. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer, mais le museau du sire était d'autre mesure. Il lui fallut à jeun retourner au logis, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant bas l'oreille. « Trompeur, c'est pour vous que j'écris, attendez-vous à l'appareil. »